Ça va. Il y aura un hébergement pour les personnes vulnérables, nous le souhaitons. Il y a la volonté qui est celle du gouvernement de développer les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et nous avons d'ailleurs mis des moyens très significatifs pour inciter les migrants qui relèvent de l'asile en France à le demander en France. Nous avons créé 4000 places depuis 2 ans. Dans le budget 2015, il y a 5000 places supplémentaires. Et je présente actuellement au Parlement une loi sur l'asile qui doit permettre de réduire les délais de 24 à 9 mois. Nous reconduisons, il faut le dire aussi, à la frontière, tous ceux qui ne relèvent pas de l'asile, qui relèvent de l'immigration irrégulière et qui ont été amenés ici par des réseaux de passeurs qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains. Envoyer le signe à Calais, à travers la sécurisation du port, qu'on ne pourra pas passer en Grande-Bretagne, c'est envoyer le signal à tous ces criminels que leur commerce a trop duré. C'est un commerce sur la misère, c'est un commerce sur la détresse, et c'est un commerce abject. Donc moi, je suis aussi désireux d'envoyer le signal ici que les filières de la honte doivent être démantelées.